Salut tout le monde, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo astuce Kama qui va nous rapporter beaucoup de Kama et qui ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts et de temps. C'est tout simplement la zone, la dimension Enutrosor. Et on va s'intéresser au coffre qui donne une ressource aléatoire de la zone, donc par rapport au niveau. Et donc on va tout simplement s'intéresser à la zone 200 puisque ce sont des ressources plus HL que les autres et donc qui valent généralement plus cher. Alors c'est très simple, une fois que vous arrivez dans les dimensions, si vous ne savez pas comment rejoindre la zone de sang, je vais tout simplement vous le montrer sur la map. Donc vous arrivez ici, voilà, et vous allez tout simplement aller vers le donjon niveau 100. Donc par exemple, vous montez de une map. Et puis vous avez une, deux, trois, quatre maps à gauche, une map au-dessus et une map à gauche. Donc vous allez vraiment dans le coin et vous allez prendre en fait tout simplement un petit escalier qui va vous apporter dans la zone niveau 200. Ne faites, excusez-moi, ne vous inquiétez pas trop, les monstres n'agressent pas. Et donc c'est très simple. Comme astuce Kama, on va cliquer sur les coffres. Il y en a à peu près un, généralement un ou deux. Sur plus ou moins chaque map. Donc on va tout simplement cliquer. Oh. Oups, avec Yop. Et voilà. Et on va recevoir un petit coffre. Voilà, vous voyez un petit coffre qui va nous donner une ressource de la zone. Une ressource plus ou moins. Peut-être parfois on en reçoit un petit peu plus. Ce qui est très dérangeant, si vous êtes par exemple bas level, c'est que parfois des coffres vous agressent. Et deux monstres de la zone, donc zone de niveau 200, vont vous attaquer. Et c'est vrai qu'ils sont parfois un petit peu durs, surtout les Vitrophes qui one shot avec un sort assez bizarre. Mais bon, voilà. Alors, ici, il y a un coffre. Je l'ai fait il y a un ou deux jours et je me suis fait aggro par ce coffre. Donc, je sais pas si l'aggro est sur chaque coffre. On va tout simplement essayer, mais j'ai vraiment un petit peu peur. Non, on va pas le faire. Je préfère qu'on soit aggro sur un autre coffre, mais là je me suis fait agresser et j'ai pas envie de tenter de me faire aggro. Donc j'ai pris mon zozo, c'est tout simplement pour si je me fais aggro, pour pouvoir gérer facilement le combat et assez vite. Donc vous voyez, on enchaîne, hein, ça va assez vite. On va laisser zozo ici pour l'instant. Bon, on va quand même aller hop. Ok, où? Alors vous voyez, hop, il y a encore un coffre ici. Et voilà, on s'est fait aggro. Donc Zozo qui va venir aider. Ils sont deux. Je ne sais pas si on rajoute. Si on rajoute un Multiman ou Lumino, ils sont un de plus. Eh ben non. Donc on va se faire plaisir et on va être à 4. Tout simplement. J'oublie pas de mettre ma DD qui est épuisée. Voilà. Et on va rajouter encore un Lumino. Donc on va rester comme ça. Ouais, c'est très bien. Donc le challenge ne m'intéresse pas. Et voilà. Je peux vous montrer juste ce combat si vous voulez. Pour vous montrer peut-être un petit peu leur rocks. Vous voyez, un petit 500. Sans coup critique. C'est pas... voilà. Moi je vous conseille... c'est vrai que si vous êtes level 100... C'est pas une astuce vraiment exceptionnelle pour vous. Si vous faites aggro, vous devez refaire le chemin et tout. Mais je trouve ça encore assez correct comme astuce. Donc voilà. Je vous montre peut-être vite un peu son rocks et après je passe. Je vais vous épargner ce petit combat. Et voilà, le combat qui est fini. Alors, juste pour vous montrer. Le temps que j'ai mis, 3 minutes 29. Et en plus, on a droppé une petite ressource 5000, donc x2, 10 000 kamas. C'est encore pas mal. Donc, je ne vais pas re-attaquer le coffre, puisque je vais probablement me faire attaquer. Alors, je sais pas si je peux monter. Oui, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ok. Rien faire. Bon, ben, on redescend. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ma monture qui est épuisée, ça je le sais.
Non, on peut pas aller par là. Donc voilà, je vais encore prendre 4, 5 petits coffres. Oh, il y a un sac bizarre, je sais pas si c'est comme un coffre. Alors vous avez... Non, c'est une quête, c'est pour la quête, excusez-moi. Voilà, il y a deux coffres ici. Oh, bon, on se retrouve juste après le combat. Et voilà, c'est la fin du combat, donc aussi encore à peu près 3 minutes, et on a encore droppé une petite ressource qui coûte à peu près 5000 kama. Donc il y avait un autre coffre qu'on va tenter d'ouvrir, et on ne sait pas faire gros, c'est très bien. Donc on va aller un petit peu à côté. Donc là c'est le quatrième coffre, ou le cinquième, je sais déjà plus. De toute façon on verra bien. Je sais que j'en avais un, j'en avais déjà un, puisque je l'ai fait juste avant de lancer la vidéo. On va aller en dessous cette fois-ci. Là, il est où ce coffre? Ah, il est là. C'est bien Yop qui l'ouvre. Oh là là, bon, vous voyez, je me fais quand même aggro une troisième fois. Donc, je reviens dans 2 secondes. Et voilà, le combat est fini. Donc on aura encore... Ah non, on n'a même pas droppé de ressources cette fois-ci, c'est pas grave. Je vais essayer d'avoir encore un coffre. Ah mais vous voyez, je pouvais y aller, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas proposé. Alors... petit coffre, où est-ce que tu es? Je sais pas. Il doit y avoir un coffre quelque part, mais je ne sais pas trop où. Donc c'est pas grave, hein. Il est là. Allez, s'il vous plaît. Yes. Yes, ça c'est bien. Donc on est à peu près à... Allez, 5 coffres, on a eu 5 coffres. Je voulais XP ici, c'est encore une bonne zone parce qu'il y a encore des monstres avec pas mal d'étoiles. Ah, il est là, vous voyez. Yes. Un sixième coffre. On se fait bon, on a plus de coffres non aggro que d'aggro, mais bon. Je sais qu'il y en a un quelque part. C'est pas grave. Il faudrait peut-être que Zozo suive au cas où. Le problème, c'est que quand on meurt, on revient dans le monde normal. Et voilà, je me suis fait aggro. C'est génial, c'est parfait. Je propose d'ouvrir encore un coffre après, comme ça fera 10 minutes. Donc je rentre dans 2 petites secondes. Et voilà, le combat est fini. J'espère qu'on a au moins droppé une ou deux petites ressources. Non, toujours pas. Ouais, en fait, le problème, c'est que les ressources sont assez dures à dropper ici. Donc, le fait qu'il y ait des coffres comme ça qui donnent des ressources, c'est, je trouve ça un peu mieux. Donc, je peux aller à droite, ça c'est bien. Allez, on va aller à droite. J'aimerais bien encore avoir 10 coffres, ça aurait été bien. Mais bon, on va faire 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un coffre, ne te fais pas gros. Yes. Donc on est à 8 coffres. On va aller... On peut aller là. On va voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a un coffre ici au moins? Il n'y a pas de coffre. Alors on va aller encore une petite map à côté. Dans le tunnel un peu bizarre. Il n'y a pas de coffre non plus. Donc on retourne en arrière. Moi j'aime bien c'est aggro les... Enfin prendre les coffres là qu'on a déjà aggro et qu'on... Où on s'est pas fait aggro. Donc on va essayer d'y retourner vite fait. Et après... donc ça fera à peu près 10 minutes qu'on fait ça. Et donc on va voir ce qu'on a eu ensemble. On va retourner en arrière. Voilà, je ne sais plus si je m'étais fait aggro ici, je ne pense pas. Non, voilà.
Encore un. Voilà, ça fait 10 minutes, mais bon, on a perdu un petit peu de temps dans les combats, dans les petits. On a perdu un petit peu de temps partout. Alors, je ne sais pas. Moins 8. Non, il n'y a pas. Si on met juste canal information. Alors, dans information, il n'y a même pas. Combat. Équipe. Groupe. Alliance. Non, il n'y a pas. C'est pas grave. On tente. Et sinon, c'est le dernier. Suspense. Yes. Bon, ben voilà. Alors maintenant, on va tout simplement ouvrir les ressources avec 10 coffres. Et on va évidemment compter les celles qu'on avait déjà. Donc ça fait 5000 kama. Je sais pas si on tape Enutrozo. Non, ok, c'est pas grave. Alors, et on va mettre après. Ok, donc on met ça en grand. Premier coffre. 3 Kamatrix. C'est ce qui coûte le moins cher, ce qui est vraiment nul. Vous voyez, 400 Kama, 1300. Ok. Deuxième coffre. Une boule en or. Ah, ça, je crois que ça coûte cher. 4000 Kama, non. Ok. Bon allez, on va tout ouvrir, ça sera plus simple. Kamatrix, Kamatrix. On a eu 3 coffres Kamatrix. Alors, si on regarde, on a 100 000 de cornes. 6 000 dedans. 12 000. 3 500. 31 000. Donc, je vais sortir la calculette un instant. Donc voilà, alors ça fait exactement 107 433. 107 433 est égal. Bien sûr, c'est les valeurs estimées, je dis bien. 6 732 plus 6 732 plus 12 351 plus 12 351 plus ok. 3584, 3584, plus 31 614, 31 614, ça fait 161 000 kamas en 10 minutes. C'est pas mal, parce que si on fait x6, ça fait, si on arrondit à 1 million de kamas. Donc je trouve ça vraiment pas mal. C'est même très bien. Alors ce que je vous conseille de faire, puisque pour moi, en tout cas pour Moyo, c'est peut-être par personnage, les coffres qui aggro vont toujours aggro, les coffres qui n'agressent pas vont toujours vont jamais agresser. Donc ce qui pourrait être sympa, c'est vous allez dans groupe et vous tapez pourcent pose pourcent. Enter et vous allez taper toutes les coordonnées des coffres qui n'agressent pas. Vous cliquez dessus et vous allez avoir tout simplement toutes les zones. Et pendant 1 heure, vous farmez et vous allez gagner 800 000 kamas. 1 million de kamas, excusez-moi, 1 million de kamas. Donc c'est très simple. Maintenant, on va aller tout simplement voir combien ça vaut exactement en vente. Alors. Ok, donc on peut prendre une potion de rappel. On va à Brakmar. Faudrait que je change de zap, de sauvegarde de zap, parce que Asrub je n'aime pas du tout. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Regardez le temps que je mets. Donc, on va d'abord aller dans l'HDV des ressources. HDV des ressources, voilà. Et donc on va noter 900, 907, 284, point 284. Ça c'est ce qu'on a eu. Maintenant, on met en vente, si on va mettre un kama moins cher. On va voir si on gagne plus, si on perd. Donc,
dans de Lévitrov, 1000. Vous voyez, ça fait quoi? 1049. On va même mettre un 9. 9, 9, 9. Comme ça, on reste dans les prix moyens par rapport aux autres items, aux autres ressources. Voilà, on est, si on reprend, 9, 9, 9, 9 fois 6 plus Kamatrix, 600 Kama. Donc voilà, vous voyez, ça c'est déjà un petit peu plus cher, 649. J'ai un casque bizarre, il a une tête bizarre. Après, il faudra aller dans la GV des mineurs. Donc 649, ça fait 6 plus 649 fois 8 est égal, divisé par 8, alors divisé par 8 est égal à 60 000 km. Ok, on va reprendre 9 9 9 9. Ça me paraît beaucoup, hein. Ok, 999. Je me disais bien. Oh là là. Ça, j'aime pas qu'on est distrait comme ça. Je me disais bien qu'on était un peu très ch trop cher. Donc, on va refaire vite fait le petit calcul. Je veux vraiment tout bien faire pour vous montrer que c'est pas une astuce qui rapporte pas beaucoup et que c'est vraiment au contraire une astuce qui marche très bien. Donc 9 9 9 fois 6 est égal plus, on va faire 6490 moins 649 moins 649 649 est égal, voilà. Donc ça c'est quoi? Valeur estimée, on est pile dans le bon truc. 6, 3, 9, 3. Voilà. Encore une. Alors, plus. Il y en avait quoi? Il y en avait combien? Il y en avait 6. Ça fait quoi? Ça fait sourd. Ok, c'est pas. Ok, c'est pas grave. Sourcil. Donc il y en avait 6. Ça fait quoi? Ça fait 5400. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 000. 60 000. 60. 62. 64 000. On va arrondir. Plus 64. 34, pardon. 34 000. Voilà, on est déjà à 445 000. Oh là 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 là. On va aller maintenant à HDV des mineurs. Ça fait combien de temps? C'est drôle parce que je mets plus de temps à vendre que. Je suis quand même assez lent, hein. Donc on est. Précieux, voilà, on va vendre le reste maintenant. 35 000, j'espère qu'il vaut, il coûte un petit peu plus cher. Mode vente, bien sûr. 34 000. Oh là 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 là, vous voyez que ça c'est 8, 9, 7. Presque la moitié, quoi, c'est nul. 3, 6, 3, 6, 8, 9. Alors, donc on est à du plus, on va arrondir à 20 000, 20 000, 20 000, 60 000, 3 plus 3 500, 7 000, 10 050, 10 500, 115 000. On est à 115 000 kama fois 6 est égal. Donc on est à 6, oh mince.
694116. 694116. Et alors, par rapport à la valeur décimée, donc on est vachement plus bas. Mais ça reste quand même du 694 000 kama toutes les heures. Je trouve ça même très rentable, quoi. Divisé par 6. Donc voilà, on est quand même à 115 000 kama en seulement 10 minutes. Bon, vous allez me dire, la vidéo dure 20 minutes. C'est parce que j'ai pris du temps à mettre en vente, à vous expliquer, tout ça. Mais vous restez 1 heure et puis vous prenez 3 minutes pour les mettre en vente. Et donc voilà. Donc voilà pour cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez que je fasse plus de vidéos à Suisse Kama. Allez, salut et portez-vous bien.